Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Subnautica. Alors, du coup, si je me rappelle bien, on avait vidé notre inventaire, voilà, du coup on va profiter un peu de cette bouteille de flotte. Voilà, et il nous restait un des... un des trucs à aller visiter, si je me rappelle bien. Je sais pas si on va pouvoir l'atteindre par ici. Ah, non, ça passera pas. Oh. Ok. Donc par ici. Il y a quoi par là? Il y a quoi par là? Du coup, je redécouvre l'île. Hein. Ok, alors faut faire gaffe parce que je me rappelle qu'il y avait un endroit où ça coinçait et je me suis retrouvé coincé je ne sais combien de fois, bêtement. Ah d'accord. En fait, c'est juste une sorte de balcon. Ah. Ouais, ok. Ok, c'est sympa, mais ça sert à rien. Ouais, du coup, cette île, c'est un véritable gruyère. Ok, du coup, ça ressemble à un chemin. Par là. Hop. Hop, donc ça on en a récupéré, ça on en a récupéré. On récupère un peu de tout en fait. Hein. C'est bien, c'est cool. Ok. Par ici. Par ici on a les arbres. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Voilà, comme ça on s'est remis bien. Ouais, alors il y a des chances qu'ils aient repop vu que j'ai relancé depuis la sauvegarde, mais apparemment pas. Ok, ok, donc il me semble que la dernière fois on a été là-bas, donc on va essayer d'aller à celui-là plutôt si on trouve le chemin pour y aller. Ça a l'air d'être par là. Voilà. Ça, on va aller là. Vite fait. Ah, c'est peut-être bien celui-là qu'on avait déjà fait. Zut. Non. J'ai cru que j'allais me péter la binette. Ouais, non, celui-ci, on l'a déjà fait, en fait. Celui-ci, on l'a déjà fait. Il n'y avait pas des plantes qu'on n'avait pas ramenées. Ah bah déjà je vais récupérer le titane. Voilà, ce sera toujours ça de prix. Hein. Le titane qu'on avait largué. Titane, hop. Et je sais plus si... Ah mais... Voilà. Ouf. Je crois que c'était ça qu'on n'avait pas pu prendre. Du palmier fougère. Voilà. Du coup, on en a. Hein. Ça, l'arbuste voxel. Et ça, c'est les fruits lanternes. Hein, c'est bon. Ça se mange, c'est délicieux. Voilà. Hop. Donc, du coup, on a récupéré le dernier échantillon qui nous manquait ici. Donc, on va aller en face maintenant. Hop. Attention de ne pas se casser la binette. Parce que pour remonter après, c'est... Ok, ça va, il est endurant quand même, notre gars. Où je vais là? Non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille, je crois. Je me suis trompé de côté. Voilà, ce serait plutôt par ici.
Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Par ici, il y a un tunnel qui mène à une sorte de cul-de-sac. Hop là. On ira peut-être voir de l'autre côté ce qu'il y a après. Voilà. Ça grimpe, ça grimpe. Hop. Des champignons, on en a déjà ramassé. Ils servent pas à grand chose ces champignons là à part à faire joli. Non, je les ai tous ramassés les champignons, je crois. Voilà. On verra bien. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Sur le principe. Voilà. Ok, donc ici. On avait trouvé ces choses et ici on avait ce PDA abandonné qu'on connaissait déjà. Voilà. C'est le papa qui se plaint de son fils, qui lui obéit pas. Tralala. Je l'ai vu quand même, hein. Sympathique comme il, hein. On pourrait avoir envie de s'y installer. Ça serait pas stupide. Ah bah voilà, ok, d'accord. À tous les coups, ça mène ici, non? On peut encore aller par là. La galerie. Voilà. Hop là. Ok, bon, bah on est de retour. Hein. On est de retour, donc ici... Hein, visiblement, il y avait un passage aussi. Et ça nous mène à l'arrière de l'île, où on peut trouver bah, des arbres, encore des arbres. Voilà. Des plantes Ming. Ok. C'est joli, hein. Ça fera de la déco, hein. Si on a de quoi planter et tout, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ok, et donc ça, tout ça... Tout ça, c'est juste des arbres. Des arbres, des champignons... de l'eau... Voilà, après ici, par ici, je crois que... Bon, c'est sympa, parce qu'il y a toujours les arbres, on peut récolter des choses et tout. Mais c'est vrai qu'après, en dehors de ça... Mais c'est vrai qu'on pourrait s'installer dans le coin. Ça pourrait être... Non. Continue ici, par là-bas. On se promène, hein. Mais on va rentrer à la base gentiment. Voilà, c'est ça, hein, puisqu'il y a carrément une espèce de l'île est creuse en fait. Donc, pour installer une base dans le coin, hein, sinon. Avec plusieurs niveaux, plusieurs entrées, plusieurs accès, un niveau sous-marin. Un niveau de la mer et puis un niveau supérieur. Ça pourrait le faire. Mais bon, pour le moment, ce qui pourrait le faire, ce serait de rentrer à la maison. Oh, tiens, je connaissais pas par là. Ah, d'accord. Oh. Ah ouais, carrément. Carrément. Ouais, donc il y a vraiment plusieurs endroits où on peut fabriquer une base et...
et arriver quand même à se retrouver. Et à se retrouver quand même au bord de l'île. Non, on va voir à ça, on va y penser. Parce que ça va vouloir dire pas mal de farm pour Bibi. Farm que je pourrais faire en live, à la limite, un soir dans la semaine. Précédant l'épisode. On farmerait, on irait chercher tout ce qu'il faut. Et puis on viendrait se fabriquer une petite base ici. Ça pourrait être sympa. Bon, déjà. Déjà. Non mais il y a un petit garde là. Ça fait 4 fois que je clique sur le bouton de la souris. Oxygen production offline. Oui, je sais, oui, mais... On va poser ça, on va récupérer les batteries. Tic. Voilà. On va aller remettre les batteries. Alors. Ce serait bien d'avoir des... une charge solaire ou un truc comme ça. Voilà, on est chargé à 100%. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une balise? Je sais plus. Ah, il faut du minerai de cuivre. Zut, j'en ai pas. Mince. Du minerai de cuivre. Et ici, on n'aurait pas. Dans les coins là. Non, il n'y a pas de... ça serait peut-être au fond, mais ça serait beaucoup au fond. Bon, bah c'est pas grave, on va pas poser de balise de ce coup-là. Welcome aboard, Captain. All systems online. Voilà. On ferme toutes les portes, on sécurise. Tac. On va pouvoir... planter des trucs là-dedans d'ailleurs. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai récupéré en graines? C'est quoi ça? Ça c'est de l'arbre bulbe. Ça c'est du melon marbré. Ah, j'ai pas récupéré de... Hein, mais zut. Bon bah tant pis, on va planter de la patate chinoise à la place. Ça et ça, on va essayer de les laisser... si on trouve de la place, si on n'en trouve pas, c'est pas grave. Ça, on peut le mettre là. Du coup, ça, tac. Hop, de melon marbré. Hop. Bim. Oh, mais non, mais je l'ai mangé, mais quelle patate je fais. Voilà. Bon bah c'est pas grave, tant pis. Non. Pas tout de suite, si c'est bon, tout est fermé, donc éclairage interne. On le bascule en off, ça sert à rien, ça bouffe de la batterie. Et du coup on va repartir vers... notre demeure, home sweet home. Donc, on approche le moteur, on met le mode silencieux tout de suite.
On a évité de se faire repérer par une bestiole. Et on met tout de suite le cap sur notre base. Voilà. On va se mettre en avance lente, on sera moins bruyant. Voilà, doucement, doucement, fais pas de bruit. Fais pas trop de bruit, fais pas trop de bruit. Voilà, bon, je pense qu'on devrait la retrouver assez facilement au final, cette île. La dernière fois, j'avais galéré, mais les conditions étaient différentes, et en plus de ça, j'étais pas parti vraiment bien du bon côté. Pas de bestioles. On approche de la base. Ils sont pas repérés comme un danger apparemment. Ok, c'est bon à savoir. Ok, faut regarder au périscope. Ok, on approche de notre base. Par contre, on va être obligé de contourner si je me rappelle bien, sinon on risque d'accrocher le sol. Voilà, puisque c'est l'inconvénient de cet endroit. Ok, c'est ces sales bestioles qui viennent se claquer contre notre coque. Ouais. Mais là, en fait, c'est pas bon du tout ça. Ok, on va ralentir un peu. Voilà. Par ici, ça devrait passer. Bon, on peut virer le mode silencieux, on n'en a plus rien à braire. Voilà. Essayer de se ranger le mieux possible.
Voilà. On doit pas être mal là. On doit pas être mal là. Ok. Donc ça c'est le système anti-incendie du cyclope. On n'a pas besoin de l'activer, mais si on a besoin, on a juste à l'activer. Du coup. Ok, ça c'est l'éclairage interne, les projecteurs externes, oui, bon, bah, du coup on n'en a pas eu plus besoin que ça, voilà, merci, ouvre-toi. Donc l'Excalibur lui est bien, voilà, nous on va se taper un ou deux melons. Voilà, on va récupérer tout ce qu'on a ramené. Voilà, donc non, c'est pas ça, c'est ici. Donc ceci on le récupère, ceci on le récupère, ça on peut le laisser là. Donc là dedans non, il n'y avait rien. Ça on récupère, ça on récupère. Ça, 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 c'est des graines de melon. On s'en moque un peu. Ici, on a ça qu'on veut récupérer. Voilà. Et ici, on a rien qu'on veut récupérer. Ok, on a récupéré un échantillon de chaque. Pardon. Je dis pardon à la porte. Voilà, donc maintenant qu'on est rentré à la base. Voilà. Ah mais si on en avait planté un là. Donc là on a les patates, là on a les melons, très bien. Et donc ici. Ici par exemple, on a combien de cases? Une seule. D'accord. Voilà, on va faire ça. Hop là, ça va faire joli. Et là-dedans, on a 4 cases. Pour mettre un arbre comme ça. Voilà. Et puis dans celui-ci, on pourra en mettre un comme ça. Voilà. Moi ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air sympa, ça m'a l'air sympa. Voilà, bah maintenant on va plus qu'à avoir qu'à attendre que ça pousse. Oh mais ça pousse. Mais ça pousse, dites-moi. Les fleurs, elles poussent. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Oh bah cool. Ok, voilà. Donc ça nous fait des plantes un peu partout. Ici on pourrait mettre graines de panier à verre. Bon. On peut mettre ça là. Voilà. Avec... voilà. Et voilà. C'est-il pas magnifique? Donc ça va pousser gentiment, hein. Et puis dans quelques temps, bah, ça sera complètement poussé. Tiens, ici j'ai mis des trucs, non, j'ai rien mis. Ah si, mes combis et ce genre d'équipement. Ce qui fait sens, hein. On met ses vêtements dans son armoire, dans sa chambre ou dans son dressing, près de sa chambre. Voilà, donc ça pousse. Ça a l'air de pousser gentiment. Voilà, ici du coup on pourrait mettre voilà, comme ça on a planté un peu tous les éléments qu'on a récoltés. Voilà, et puis ça nous fait on peut toujours continuer à se nourrir ici. Ça nous fait toujours la serre en fait.
ce qui est pas plus mal. Donc, ça, on va le stocker ici. Ça et ça, on va les stocker ici. On fera des pots un peu plus tard pour les utiliser. Ici, eh bien, on va remettre nos batteries en charge. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en récupérer... on va récupérer toutes celles qui sont pas chargées. Toutes celles qui sont chargées, je veux dire. Et on va les remettre... Non. Voilà. On va les remettre dans le... Dans le cyclope. Au passage, on va récupérer ce qui restait à récupérer. Welcome aboard, Captain. All systems online. Voilà, donc ici logiquement, voilà, il y avait des emplacements, donc on va en mettre ici. Et ici, donc, je voulais mettre ce truc. Voilà. Donc, ici, on récupère tout ça. Ici, on laisse. Ici, on récupère ça. Ok, donc... Voilà. Voilà. Et j'avais plus rien à déposer ici. J'avais récupéré tout ce que j'avais besoin. Voilà, parfait. Ici, donc, on va aller tant qu'on en a. On va replanter des graines pour que le truc soit full. Voilà, on va faire pareil avec celui qui est à l'intérieur. Voilà, de manière à ce que tout soit chargé à fond et que ça pousse bien et qu'on soit tranquille. Mais j'ai l'impression qu'il est plein celui-là. Ouais. Voilà, là il est full. Et donc le reste des graines, on va les stocker. Le reste des échantillons, tout ça, on va les stocker. C'est vrai que les palmiers fougères, là, c'est pas très grand. Ça, ça pousse bien. Et ici, ouais, vous voyez, hein, ça commence à bien pousser. Hein. Voilà, ça donne... C'est plus sympa. Ok, cool. Bon, voilà, tout ça c'est fait. Du coup, on va aller déposer toutes les graines. Tout ça, tout ça. Voilà, on va se foutre tout ça, je sais pas. Non, pas là-dedans. Bah non, pas là-dedans, non. Là-dedans. Il va y avoir un peu de place. Voilà. Voilà, ça c'est quoi? Il est full, il est full, il est pas full. Ok, déjà tu dégages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ça, ça, ok. Capteur de température, ça c'est pour la combi. Des flares. Il y a ça. Du coup, on peut déposer ça et du coup, à la limite, tu peux même remettre ça ici. là-dedans, on a tout ça, ok. Ok, ok.
clé. Voilà, mais en fait, on va la garder. Parce que, lors du prochain épisode, ce qu'on va faire... c'est qu'on va retourner sur l'île où il y a le canon. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait une porte qui était verrouillée. Donc du coup, on essaiera d'y entrer. Je crois que visiblement, c'était il nous fallait une tablette violette pour ça. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on a pas mal on a pas mal avancé dans ce qu'on voulait faire pour la base, déjà. On a retrouvé l'île, on a pu remplir correctement tous nos pots. On est pas mal, on a une idée pour un prochain emplacement de base. Non, on est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal. Il ne reste plus grand chose à... faire. Donc ici on fera probablement ce dont m'avait parlé l'un d'entre vous, c'est à dire une espèce de salle de restaurant. Mais à ce moment là je pense qu'on mettrait plus de parois vitrées, je pense, pour que ce soit plus sympa. Voilà, bon, eh bien on va s'arrêter, on va se préparer un petit café, un petit anka. Donc pour l'anka, c'est ici. Ça a été ajouté, je trouve ça génial. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive direct dans l'inventaire. Ah, est-ce qu'on est bien chez soi quand même, hein? Moi je vous le dis, ça va les petits poissons? Ça nage? Tant mieux, il faut. Sinon je crois que vous mourrez. Donc, voilà, le petit café, le petit snack. Voilà. Perfect. Et donc, eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais très gros bisous. Et je vous retrouve le week-end prochain pour la suite de nos aventures.